Ça va? Oh, c'est le bon. Regarde. Là.
va pas, lui, il va être pas, il est mort. Oh, my God.
attention. Il est à côté.
guerre. Oh,
Passé problème mécanique. Impossible d'arriver à repartir là. Là non. Quoi de... On peut changer. L'habiter là. Pas de bobo ? Non, ça va. C'est là, elle va taper dans la terre de toute façon. En bas de l'hiver ! Oui, mais c'est quand même un beau terrain. Ouais. Et c'est les premiers à gueuler sur l'organisation des Australiens après. Ah, ils vont arrêter là-haut. Ouais. Bon, chez vous les gars.
Comme ça ici? Non, mais j'ai tapé là-bas dans les arbres. Ah oui, d'accord. Et puis vous êtes glissé là. Putain, on a arrêté de filmer, s'il vous plaît, merci. C'est pas très poli, je crois.
Récupérer quel numéro là? 134. 134. Ouais. Ça s'est bien passé? Ça t'a poussé la voiture? Ah non, j'ai pas poussé la voiture. Monsieur le maire, ça vous plaît le rallye quand même? Oui. Hein, oui. Je suis pour maire. Oui, oh, premier adjoint. Oui. Hein, premier adjoint. Et puis ça, c'est le grand, là. Oui. Le fils avec le gros tracteur. Et ça, c'est monsieur le chauffeur du tracteur. Problème. Thank you.
Thank you.
Garde à vous. Repos. Sur sa Clio Maxi, Gall sur la Clio Williams. Une sortie route très importante de Christophe Rémy. Je crois que le rallye ne va pas s'attarder longtemps maintenant.
J'ai aidé monsieur Patrice Matt à sortir. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Bonsoir à tous, un cinquième rallye Normandie-Beuzeville, eh bien sous la pluie c'est vrai, mais quand même avec beaucoup de chaleur dans les spéciales, du public nombreux, les concurrents ont répondu présents et je crois que d'ores et déjà c'est vous les concurrents qui pouvez vous applaudir. Bravo à vous messieurs les concurrents et mesdames. Et oui, je vous disais, de la chaleur dans les spéciales, eh bien c'est vrai qu'il y en a eu, puisque, comme on l'a vu tout à l'heure sur la cassette, il y a eu des personnes qui rentreront ce soir, pas à pied, mais certainement sans leur voiture de course, dont a fait partie Jean-Louis Hervieux, où ça s'est
très bien passé pour les pilotes. Il y a eu aussi une sortie de route assez importante de Christophe Rémy, mais tout est rentré dans l'ordre, même pour Nadège Sénécal. Et puis ce que vous avez vu tout à l'heure, eh bien, c'est Richard Valois et mon fiston, mais je peux vous dire que tout le monde va bien. Et si on leur redonne une voiture demain, ils sont prêts à recommencer. Là, il va falloir qu'ils recommencent à remonter la voiture. Voilà, je crois qu'on peut surtout applaudir aussi deux personnes qui vont représenter toutes les personnes de l'écurie Saint-Hélier. C'est dans l'ordre, bien sûr, Pascal Écalard. Tu peux bien rester un peu plus. Et Jacques Verrier, son adjoint, où je dirais qu'ils font fin à tous les deux. Et je vais tout de suite leur faire l'avocat. C'est vrai que cet après-midi, j'ai entendu de la part, et je leur laisserai la parole après, j'ai entendu de la part de certains concurrents qui disaient oui, mais voyez pas à l'heure qu'il est, le timing n'était pas bon ici et ça. Je crois qu'il faut organiser un rallye comme ça. Ils ont la malchance de l'organiser au mois de novembre. Au mois de novembre, c'est vrai que le soleil n'est pas de la fête, fait que ça met déjà pas les humeurs en forme. Et puis deuxièmement, eh bien, c'est vrai que c'est un rallye qui est très technique, qui est prisé par les concurrents, puisqu'ils avaient 160 concurrents inscrits avant d'en sélectionner 131. Eh bien, je crois qu'on peut rien que pour ça les applaudir, parce que si des rallyes comme ça n'existaient pas, ben, je sais pas ce qu'on ferait. On fait du rallye automobile, c'est vrai, on fait pas de la course pour deux fillettes. Eh ben, tant pis, c'était comme ça aujourd'hui. Il y a eu un peu de grincement de temps par rapport à certains pilotes, mais je crois quand même que vous avez fait un superbe spectacle et aussi vous avez amené un super spectacle. Je vais laisser la parole peut-être à Jacques Verrier qui a quelque chose à vous dire, ou Pascal qui veut démarrer le premier. Allez. Bon ben, mes chers amis, merci à tous d'abord. Merci à monsieur le conseiller général, maire de Besuil. Merci à son premier adjoint, merci à tous ses conseillers et autres adjoints. Merci à messieurs les maires, comme d'habitude, des épreuves qui veulent bien nous accueillir, parce que sans eux, il n'y aura pas de rallye. Donc on les remercie du fond du cœur et ils sont toujours là pour quand on a besoin, il n'y a pas de problème. C'est des gens qui nous suivent. Alors à tous ces gens-là, je vous demanderai de bien vouloir les applaudir. Moi, je dois vous remercier tous d'avoir été présents avec un temps exécrable. Félicitations quand même. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que l'année prochaine, vous aurez deux nouvelles spéciales. Ça peut être la bonne nouvelle pour la 6e édition. Il y a Claude Roche, Micheline et Alain Danière qui sont les principaux organisateurs de cette année. Sans eux, le rallye n'aurait pas existé. Voilà ce que je voulais annoncer. Merci. Au moins, je remercie les organisateurs parce qu'ils ont fait un travail énorme cette année. Je n'aime pas parler, mais j'ai quand même un petit mot à dire. Ça concerne pas le rallye. Je supporte mal une certaine injustice depuis 2-3 mois. Là, on a eu 2-3 équipages qui couraient. Il y avait Christophe, il y avait Laurent Sénécal. J'en parle ici parce qu'il est d'ici. Il y avait Xavier Montagne et il y avait Monsieur Bourgeois. Ces gens-là, ils ont fait le rallye de Dieppe, je vais parler du rallye de Dieppe, je tiens à en parler parce que ça me tient à cœur. Au rallye de Dieppe, un équipage qui faisait de la renaissance, qui a renversé du matériel, il y a eu du maire une interdiction de reconnaissance. Cette personne a eu un avertissement. Ensuite, il y a ces trois équipages-là, ils ont fait de l'assistance, ils sont partis du parc, ils allaient à la spéciale, il y avait 5 km ou 6 km, il n'y avait pas d'assistance, il y avait une avenue qui était interdite d'assistance, et après, il n'y avait rien de prévu. Ils ont fait de l'assistance avec 40 ou 50 autres concurrents. Il y avait d'autres concurrents qui ont fait de l'assistance également en dehors carrément du parcours, et on a pris les trois premiers, on a pénalisé ces concurrents. Alors, ça, c'est une injustice. Je trouve ça des officiels. Je n'aime pas parler officiels parce qu'on est officiels nous-mêmes. Je trouve ça lamentable. Et je voudrais que, ici, qu'on réhabilite.
Enfin, vous avez compris, notre équipage qui est chez nous, là, Laurent et Xavier. Alors, j'aimerais bien qu'on fasse un applaudissement pour ces gens-là. Je souhaite revoir un jour en course ces gens-là. Ils nous ont aidés dans le rallye, c'est formidable. On aimerait bien, Jacques également, les revoir en course. Et également de nombreux pilotes. Je vous remercie. Voilà. Est-ce que Hélène Grière, t'es où Hélène? Elle est où Hélène? Elle est planquée quelque part. Elle est où Hélène? Viens me voir deux secondes pour me redonner un nom là, parce que j'ai plus le nom, j'ai peur de l'écorcher. Et après on va démarrer cette remise des prix. Alors, tout le monde est récompensé, il y avait 110 concurrents. Eh bien, les 110 concurrents restants vont être récompensés. Oh, hein. Ah, ils sont magnifiques. À la boîte. Les comptes sont bons. Les comptes sont bons. Les comptes sont bons. Ouais. La tête. Je prends la tête. On sait que tu vas vite. On sait que tu vas vite. Bon, t'es satisfait quand même? Oui, bah, vu les conditions atmosphériques, je ne pas ce plein. Ouais. C'était pas facile, hein. Non, pas du tout. Et puis, le secteur n'est pas facile, forcément, il y a tout. Mais par contre, c'est spectaculaire, c'est bien. Oui, mais bon, cette année, on n'a vraiment pas été gâtés avec le temps. Ouais. Hein, et ce qui fait que tous les concurrents sont peut-être pas satisfaits, mais on n'a pas pu faire mieux. Hein. Par contre, tu ne peux pas trouver une date en belle saison. Parce que ça serait sympa en belle saison, cette région. Oui, mais c'est les calendriers sont faits de telle sorte qu'on ne maîtrise pas. D'accord. Vous êtes satisfait quand même, hein. Ça s'est bien passé quand même. Bah oui, bien sûr. On sent bon? Oui. Ah oui. Bonsoir et merci beaucoup de votre participation et toutes mes félicitations surtout à l'écurie Saint-Hélier qui est à sa deuxième année d'organisation et surtout un grand merci à l'équipe qu'ils ont su motiver derrière eux, tous les bénévoles qui depuis très longtemps travaillent sur le terrain et ils ont encore du travail ce soir puisqu'il faut démonter, ranger, nettoyer. Alors bravo surtout à tous les bénévoles qui pour eux la journée n'a pas été facile sous la pluie. Merci à tous les participants parce que le rallye de Besuil est maintenant devenu un rallye de qualité, je dirais pratiquement national. Et je voudrais, tout à l'heure, on a fait un hommage un petit peu à trois pilotes. Et moi, je voudrais surtout remercier M. Sénécal, Laurent Sénécal, qui m'a permis de faire en live deux spéciales complètes. Donc, j'ai vécu ce que vous, pilotes et copilotes, vivez. Je ne signe pas pour l'année prochaine, je vous le dis tout de suite. Voilà, bravo à tous et merci beaucoup. Merci, monsieur le maire. Allez, eh bien cette fois-ci, on rentre sur le premier. Monsieur le maire, excusez-moi de vous interpeller quelque part, mais vous parliez tout à l'heure de ne pas refaire un tour l'année prochaine dans une voiture, mais elle est à vendre, sa voiture. Si vous avez un chèque à lui faire, vous pouvez le faire vous-même. Allez, quatrième, ils sont premiers de la classe A8, c'est Jean-Michel et Sylvie Grégoire, premier 8. Et un coup de fer fait par l'auto-école Juin à Besville. Est-ce qu'il y a un représentant de l'auto-école Juin de Besville? Et oui, et puis ensuite, j'avais oublié de vous dire, mais toutes les fleurs qui sont ici présentes et tout ce qui a été mis et tout ce qui va être mis en fleurs, eh bien c'est offert par les établissements Gatinet. Et c'est bien sûr le fleuriste de Besville. 3, c'est Christophe Laplanche et Jean-François Laplanche. On va les revoir tout à l'heure. C'est tout à l'heure que ça va être. Thierry Gall et Frédéric Milieu.
son et ça va. Premier F 2014. Et puis nous allons appeler ceux qui terminent sur la première marche du podium de la classe A, c'est du groupe A, c'est la classe, premier de la classe A7, c'est bien sûr Christophe Gillet et Stéphane Dieu. Ils sont au bout de la mode, voilà. Allez, je pense que le fan club est là. Vous êtes prêts, le fan club? Il termine bien sûr premier du groupe N, troisième au scratch, Jean-François le copilote et Christophe Laplanche, troisième de Ferrari. Ah, monsieur William, William, tu peux revenir s'il te plaît pour la coupe. Et moi les gars, je vous dis bravo, belle perf, bravo les gars, ouais, merci. C'est bien. Attends, c'est pas moi qui te l'as. Ouais, allez pas trop loin, j'ai envie de monter haut. Quand même, hein. Oui, oui, oui. Ah, oui. Bien roulé.
rester. Est-ce que Stewart Bauer est là? Et ils sont premiers du groupe F. On a oublié de leur remettre une coupe, mais apparemment ils sont partis, je pense. Ouais, apparemment ils sont partis. Alors, eh bien, on va peut-être demander à tous ces personnages de nous dire peut-être un petit mot. On va laisser encore quelques photos et puis je vais aller interviewer un peu nos concurrents. Alors, on va aller voir Christophe Laplanche, eh bien une troisième place, c'était la cerise sur le gâteau. Eh bien, la cerise, elle est arrivée, et pourtant, on n'est pas au mois de juin où on trouve les cerises, mais bref, c'est fait. Ouais. Ouais, c'est exact, oui. Là, on ne pensait pas être à Paris-Fête, quoi, c'est certain. Bon, les conditions nous ont certainement aidé, parce que bon, ça renivelle un peu plus au niveau des voitures, je pense. Et je pense qu'on a su être vite et propre dans les spéciales, parce que c'était assez dangereux quand même à certains endroits. Mais là, c'est très bien pour nous. Voilà, belle clôture de saison, je crois. C'est comme ça qu'on peut le concevoir, Jean-François. Oui, tout à fait. Non, c'est un chef. C'est un chef. Bravo. Okay, je crois que ça va être la fête ce soir avec toute l'équipe. Là, et si c'est pas ce soir, ça aura lieu un jour parce que c'est une super équipe. Thierry, ça pouvait être 2, ça pouvait être 1, ça pouvait être pas du tout, puisqu'on a vu que je crois que c'est pareil, là, il fallait aller la chercher cette deuxième place. C'était pas facile, mais je crois que tu l'as fait encore une fois de la tête et des épaules. Et comme je le dis et je le répète, un équipage qui est en train de bien marcher maintenant avec une voiture qu'ils connaissent parfaitement. Moi, je voudrais féliciter l'organisation parce que c'était encore une fois un très beau rallye. On a eu un petit peu peur à la fin de la deuxième partie. On a demandé à arrêter le rallye parce que j'ai pensé à Châtaigne le week-end dernier, parce que j'ai vu Christophe Rémy dans le talus, j'ai vu Jean-Louis Hervieux dans le talus, et puis je me suis dit on est peut-être un peu fou, et puis on est reparti malgré tout. On aurait aimé faire quand même la deuxième qui était une très belle spéciale, où on se sentait vraiment très bien. Et puis j'aurais aussi félicité les Laplanche là, parce que je crois qu'eux ils sont dans un autre monde. Hein. Absolument, c'est vrai. Ouais, on va lui remettre dans deux secondes. Ça y est, on va arriver à me faire perdre. Frédéric, qu'est-ce qu'on pense? Comme dit Thierry, un super rallye, très technique, comme on aime. Un peu trop de pluie peut-être, mais parfait. Des petits soucis d'organisation dans le timing, mais bon, c'était normal, c'était entre le temps et les sorties. C'est pas toujours gérable comme on veut. C'est... Ok, merci. C'est moi qui... Il n'y a personne qui veut... Ça serait mieux que ce soit toi quand même, Sosic, parce que moi je ne vais pas faire la bise à Christophe. J'aime bien Christophe, mais quand même. Non, vas-y. Ah ben, vas-y, remets. Ah si, c'est à toi. Oui, au premier. Oui. Alors Christophe, oui, c'est offert par... Gatinet, c'est bien sûr le fleuriste de Bosville. C'est Christophe, quand tu es parti hier ou avant-hier, je ne sais pas quand, on va dire pratiquement à la frontière belge, est-ce que tu aurais signé tout de suite pour cette place? Je pense que tu aurais signé tout de suite, mais c'était peut-être pas au départ ce que tu pensais faire. Si? Gagner, c'est ce que j'ai envie, ça, il n'y a pas de problème, mais c'est vrai que sur le papier, c'était pas gagné. C'est la première fois que je participe à ce rallye, donc là, c'est pas évident. Mais bon, j'ai eu beaucoup de chance, quoi. Bon, mais c'est un peu la course, quoi. Beaucoup de malchance pour Jean-Jacques. Tant pis, je veux dire, c'est la course, et tant mieux pour moi. Voilà, et puis une autre petite question quand même. Comment tu analyses ces deux spéciales, qui sont des spéciales très courtes, avec pas beaucoup de routiers, mais c'est vrai, très technique. On l'a vu un petit peu, et quand on dit ça, c'est le mot qu'il faut employer, mais chacun s'en sort comme il peut. Un petit peu piégeuse. C'est clair qu'avec les conditions qu'on a eues aujourd'hui, c'est clair que c'était piégeux. Et la preuve, il y a eu beaucoup de sorties de route et c'est dommage. Mais c'est vrai que c'est un très beau rallye. Ça tourne beaucoup, ça c'est clair. Ça change de chez nous. Chez nous, c'est quand même un peu plus rapide. Mais là, c'est vrai qu'on avait l'auto pour ça et on s'est bien amusé. Voilà, on pourrait prendre une expression aujourd'hui avec la pluie qui est tombée, les dieux nous sont tombés sur la tête. Eh bien, toi, tu l'as mis dans la voiture, Dieu, puisque c'est le copilote. Alors, qu'est-ce qu'il en pense, le copilote? Parce que le copilote, c'était sa première sortie avec Christophe. Un très beau rallye, très belle spécial. On a essayé de voir dans les deux premières ce que ça a donné. On a été à la botte. Mais bon, on s'en est bien sorti et très content d'être ici.
Voilà, merci encore une fois, bravo. Je vais laisser la parole quand même à un des responsables, organisateurs bien sûr, de ce rallye. Oui, eh bien, moi je voudrais simplement encore remercier les maires des communes, parce que nous, on a fini ce soir, mais j'ai l'impression que pour eux, ça commence demain. Alors, merci encore. Voilà, je crois que vous pouvez aller boire un verre et on vous donne d'ores et déjà rendez-vous pour l'édition 2003. Ça sera la 6e édition de ce rallye Normandie-Beuzeville. Cry, but now I hold my